Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cet entretien du jour. Le développement d'un pays, nous avons l'habitude de dire que c'est l'affaire de tous. Mais hors discours officiel, le citoyen lambda semble ne s'intéresser réellement qu'à ses affaires personnelles. La dérogation semble avoir été donnée à ceux que nous élisons au fil des élections pour qu'ils pensent et fassent tout, absolument tout, à notre place. Cette attitude est-elle la bonne pour le développement de nos pays africains? Faut-il repenser nos relations avec la société dans laquelle nous vivons pour mieux participer à notre propre épanouissement? Participation citoyenne dans le développement d'un pays, quel type de citoyen pour mieux réussir? C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Un invité pour en parler, Romaric Mouftaou. Bonjour, Monsieur Mouftaou. Bonjour, Monsieur Sartounet. Vous êtes le président de l'organisation non gouvernementale Nouveau Type de Citoyen. Effectivement. Et merci de me recevoir sur votre plateau. C'est nous qui vous remercions pour votre présence ici pour nous entretenir. D'abord, nouveau type de citoyen. Pourquoi nouveau type? Y avait-il un type de citoyen qui a failli dans ses responsabilités pour qu'on soit obligé de concevoir un nouveau type de citoyen? Alors, vous savez, lorsqu'on regarde aujourd'hui nos pays africains, et particulièrement le Bénin, l'on constate que les citoyens de notre génération sont très focalisés sur leur vie, et c'est légitime. Mais souvent ne font pas de le développement de la communauté leur priorité. Alors, comme vous l'avez dit dans votre introduction, beaucoup, une fois qu'ils ont fini de voter et ont élu les autorités ou les officiels, ils laissent dans la main des officiels la tâche de développer le pays. Il est très important que le citoyen puisse penser que le développement commence par chacun de nous. Le paradigme selon lequel le citoyen peut vaquer à ses occupations et juste attendre que les autorités lui livrent le développement est un paradigme qui doit changer. Si nous voulons voir un changement dans notre pays, nous devons commencer par incarner ce changement souhaité. On peut se dire que quand on laisse ses affaires personnelles et qu'on s'occupe de la cité, on n'a pas un retour. Alors que si on s'y consacre, en principe, quand notre société est plus développée, nous aussi, nous avons des dividendes, je veux dire. C'est ça. Et c'est pour ça que la philosophie nouveau type de citoyen se base sur le changement de mentalité. Vous savez, l'actuel type de citoyen ou l'ancien type de citoyen peut penser qu'en donnant son temps pour servir la communauté, il ou elle est peut-être en train de perdre ce temps précieux qui aurait pu être consacré à sa famille, à ses activités personnelles. Cependant, si nous ne nous focalisons pas sur le développement de nos communautés et nous nous focalisons sur notre vie seulement, et que la communauté, nous nous développons, mais la communauté ne se développe pas, nous ne pourrons pas jouir de ce bonheur individuel que nous avons acquis avec des efforts. Pourquoi? Si j'ai une très belle cabine sur un bateau, lorsque le bateau va couler, je vais couler avec le bateau. Quelle que soit la beauté de ma cabine et tout ce que je fais dans ma cabine. D'où l'importance de prendre soin de sa communauté afin de créer une réussite collective. Car la réussite individuelle n'est pas dissociable de la réussite collective. Il n'est pas rare, hein, surtout avec la décentralisation, puisqu'on est en train de faire l'exercice, je prends cet exemple à tout hasard, depuis peu, c'est qu'on demande, il faut s'intéresser à la gestion de sa commune, il faut participer à des sessions qu'organisent les conseils communaux, mais à des rendez-vous donnés, rares sont les types de citoyens qui participent à ces rendez-vous-là. Cela participe, en tout cas, cela fait-il partie des attitudes que vous attendez ou que doit avoir ce nouveau type de citoyen? Effectivement, et vous savez, tout part de l'éducation. La première richesse d'une nation, ce sont les ressources humaines. On a beau avoir les gratte-ciel, les routes et les infrastructures et tout ce qu'on veut. Si nous n'avons pas des citoyens bien formés, nous n'aurons pas un pays qui sera bien portant. Alors, l'éducation donnée aux citoyens permettra d'avoir des citoyens qui comprennent qu'être proactif fait partie du concept de développement. C'est ce qui nous a amené à créer le concept nouveau type de citoyen. Alors, le nouveau type de citoyen, c'est un concept, c'est une philosophie de vie.
On peut dire oui, l'ONG, NTC, l'ONG Nouveau Type de Citoyen, c'est une organisation physique, une organisation morale. Vous avez lancé le mouvement Nouveau Type de Citoyen. Mais l'ONG Nouveau Type de Citoyen, NTC, a initié le mouvement Nouveau Type de Citoyen. Un mouvement, pour dire vague, afin de persuader nos concitoyens à rentrer dans la vague, à rentrer dans le mouvement, à rentrer dans l'ensemble de ces personnes ou de cette génération qui aspirent à développer le pays, mais en commençant par le travail individuel de chacun de nous. Alors, si quelqu'un est convaincu par cette philosophie, la personne donc peut modeler sa manière de vivre, son style de vie sur ce concept. Le concept Nouveau Type de Citoyen est basé sur 5 piliers. Si vous me permettez, je peux parler de ça. Alors, le premier pilier du concept Nouveau Type de Citoyen, c'est de pouvoir connaître les lois et les fondements de la République. Alors, la Constitution, les lois, les conseils de relevés de conseils de ministres, tout ce qui fonde la République, le citoyen doit connaître ces choses. Pourquoi? Parce que lorsque le citoyen prend connaissance des lois et de la Constitution de son pays, c'est comme les règles du vivre ensemble d'une maison. Si nous décidons de vivre ensemble dans une maison, nous devons connaître les règles du vivre ensemble. Sinon, la vie dans la maison sera très difficile. Parce que si quelqu'un commence à s'écarter, il faut qu'on puisse l'interpeller pour dire... Exactement. Pour avoir une vie harmonieuse, une vie épanouissante dans la maison. Alors, la grande maison Bénin, qui est notre pays, ou la grande maison Afrique, qui est le continent, si nous voulons avoir une vie harmonieuse et épanouissante dans ce pays ou sur ce continent, il est important d'amener les habitants de la grande maison Bénin ou les habitants de la grande maison Afrique à comprendre l'importance de s'approprier le contenu des règles du vivre ensemble de cette grande maison Bénin ou de cette grande maison Afrique. D'où le premier pilier du concept Nouveau Type de Citoyen, c'est je connais la constitution de mon pays, les lois de la République. Alors, quel que soit là où je me trouve dans le pays, que je ne parle pas français, que je parle français, que je parle anglais, que je vive dans une zone rurale ou une zone urbaine, si je m'attelle de manière proactive à aller à la recherche de l'information et à m'approprier qu'est-ce que c'est que la Constitution et les lois du pays, c'est que déjà, j'accomplis le premier pilier du concept Nouveau Type de citoyen. On va citer les autres rapidement, parce que si on doit les développer, tous ces piliers-là, alors, on va pas tenir. Le deuxième pilier, c'est que le citoyen connaît les outils de développement de son pays. Parlant d'outils de développement, ce sont les grands documents d'orientation stratégique où sont consignées les politiques de développement, que ce soit au niveau central ou au niveau décentralisé. Alors, un citoyen qui est de type nouveau connaît alors le programme de développement de son pays. Donc, au Bénin, nous avons le plan national de développement, nous avons le programme d'action du gouvernement, nous avons également le plan de développement communal. Alors, pour ne citer que ces documents d'orientation stratégique, il est important pour tout citoyen qui se dit « le développement, c'est mon affaire », d'aller prendre connaissance de ces documents. C'est ce qui permet aux citoyens d'éviter après à critiquer les autorités, à combattre les autorités, pensant que les autorités sont contre le citoyen. Parce que tout ce qui est écrit dans ces documents sert de boussole pour les prises de décision. Alors, le troisième pilier du concept Nouveau Type de Citoyen, c'est que le citoyen, je fais souvent ce geste, le citoyen et les autorités collaborent pour pouvoir résoudre les problèmes de la communauté. Donc, un nouveau type de citoyen, c'est ce citoyen qui regarde tout autour de lui ou tout autour d'elle, voit les problèmes de sa communauté et au lieu de se lancer dans les critiques, se dit, qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ces problèmes? C'est comme devant ma maison, il y a un trou sur la voie. Il ne faut pas que j'attende que forcément ce soit le maire qui vienne. S'il entre nous, on peut s'associer jeune dans le quartier. Exactement. Et apporter la solution. Exactement. Ou si nous n'avons pas les moyens, pas de problème. Je prends un stylo et je rédige pour informer le maire et les services techniques de la mairie. Il y a un grand trou ici. Nous avons essayé de remblayer ça. Nous ne pouvons pas avec nos moyens. Nous voulons vous informer, messieurs et mesdames, les responsables de la mairie, de bien vouloir nous aider à remplir ça. Parce que ils ont besoin. C'est une collaboration qu'il faut entre le citoyen et les autorités pour régler les problèmes. Lorsque les gens sont dans leur bureau, ils ne peuvent pas tout savoir. Ils ne peuvent pas savoir que devant votre maison, le poteau électrique a cessé de marcher. Il faut les informer de ça. Ils ne peuvent pas savoir que dans votre rue,
qu'il y a eu un accident et que désormais la rue est dégradée. Alors c'est pour ça que, au niveau du troisième pilier du concept de la philosophie nouveau type de citoyen, nous éduquons les citoyens à développer l'attitude de collaborer avec les autorités, identifier les problèmes et pouvoir résoudre ensemble avec les autorités ces problèmes. Donc si vous voyez un nouveau type de citoyen, il ou elle doit être en mesure de vous montrer combien de solutions dans la communauté il a aidé à apporter. Le quatrième pilier, c'est que le nouveau type de citoyen incarne les valeurs morales, patriotiques et éthiques. Alors si je suis un nouveau type de citoyen, je dois pouvoir chanter l'hymne national de mon pays. Je dois connaître la devise de mon pays. Je dois connaître les symboles de la République. Si je suis un nouveau type de citoyen, je dois être patriote, respecter le bien public, avoir un sens de l'équité, de la justice, et savoir que ce qui appartient à la communauté, c'est pour nous tous, et que je ne dois pas en abuser, et je dois bien traiter ça. Et je finis avec le cinquième pilier, qui est que le nouveau type de citoyen s'évertue à être un expert dans son domaine de compétences. Vous êtes journaliste. Je suis spécialiste des programmes. Si chacun de nous s'évertue à développer l'expertise dans nos domaines de compétences, si le maçon, le menuisier, la vendeuse à Tokpa s'évertue à développer l'expertise dans son domaine, dans leur domaine de compétences, ce qui va se passer, c'est que chacun de nous va contribuer à créer de la richesse dans le pays. Et donc, du coup, nécessairement, le produit intérieur brut sera impacté, l'économie du pays sera impactée. Et nous serons en train de parler de développement. Cela dit pour finir que c'est peut-être le projet qui a séduit et qui a amené à ce que votre ONG soit sélectionnée, le mouvement, en tout cas votre initiative, soit sélectionnée parmi les meilleures innovations, les 5 sur le continent africain, c'est bien ça? Vraiment, nous avons participé à un appel lancé par, à une compétition lancée par l'Union africaine qui, cette année, a appelé la jeunesse du continent à proposer des idées d'innovation pour pouvoir contribuer à renforcer la démocratie et la gouvernance sur le continent. Alors sur 97 projets soumis, 20 ont été présélectionnés et nous avions fait partie de ces 20. Après, il y a eu une formation des représentants des différentes organisations ou promoteurs de projets et encore la compétition, une nouvelle compétition. Et à la fin, 5 ont été retenus. Alors, le mouvement Nouveau Type de Citoyen a été retenu comme l'idée, la première innovation en Afrique de l'Ouest. Donc, nous avons représenté aussi bien le Bénin que l'Afrique de l'Ouest. Félicitations, Romaric Mouftaou. Je rappelle, vous êtes le président de l'ONG Nouveau Type de Citoyen. On vous a reçu pour parler du type de citoyen qu'il faudra désormais pour accompagner nos pays africains sur le chemin du développement. Alors, on n'est pas passif, il faut être actif, il faut être acteur du développement. Et ça commence par son milieu immédiat, son quartier, sa commune, son département, son pays et le continent africain. Merci encore une fois, Romaric Mouftaou, d'avoir répondu à notre question. Merci, Satuné. Et vous touchez mon point. L'on dit NTC. Le développement commence par moi, le citoyen. Alors, que chaque citoyen comprenne que le développement commence par lui, par elle, par moi, par vous. Par moi aussi, mesdames et messieurs. J'espère que désormais vous serez plus actifs dans ce sens. C'est bien tout pour ce numéro de l'entretien du jour. Merci de l'avoir suivi.